Et salut tout le monde, et bienvenue pour Brave Frontier, spécial Vortex exclusif du Père Noël. Alors, bon, il y en a deux. Par rapport à l'année dernière, il n'y en avait qu'un seul. Donc, de ce qu'on peut voir, on peut choisir soit le pourpre ou l'émeraude. J'ai pas vraiment regardé, théoriquement je vous placerai les caractéristiques, la différence, etc. Mais on va le faire là, maintenant tout de suite. Je pense que c'est par rapport à leurs compétences. Enfin, de toute manière, on verra bien. Alors, combien il y a 11 et 20 d'énergie? Que ça? Ah. Bon, bah, on va faire les deux en épisode. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'ils vont nous réserver. Et qu'est-ce qu'on pourra dropper aussi sur tout ça? Bon, je voulais me préparer pour autre chose, mais on va partir sur cette équipe. De toute manière, 11 d'énergie et 20 d'énergie. Théoriquement, ça se fait rapidement. Il n'y aura pas de quoi perdre de la vie ou quoi que ce soit. Oh, joli! Les rois lumineux de Noël. Ah, le cristal, ils auraient dû faire quelque chose pour le cristal. Ok. Ok, ok. Ouais, bah c'est parti. Alors, voyons voir. On le drop ou pas? Ah, et peut-être les autres. Ah ouais. Oh, ok, d'accord. On peut dropper. Donc le cristal sûrement aussi. On va enlever ça. Voilà. Un fantôme de Noël. Je crois que je vais en garder un. Parce que c'est joli. 11 matchs. Oh. Tire à pote de Noël. On peut la drop? What the fuck? C'était quoi ça? Ok. Bon, on verra ça à la fin. Des guirlandes? Non. Oh, joli ça. Des boules? Ah, je sais plus. Ouais, c'est les boules qu'on accroche sur le sapin. Pourquoi on les drop? Y'a un événement? Je suis pas au courant. J'ai droppé quoi? Les Ménara, hein. Ah si, on peut drop Dilma, etc. Non, 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 ils feront jamais ça. Je crois que j'ai droppé les Ménara. Ah, dommage. C'est joli en tout cas, le décor de Noël. Tout est magnifique. En par contre. En vitesse fois 3, c'est du n'importe quoi. Ok. Encore un fantôme. C'est un fantôme, hein. Putain. Maintenant, je sais plus. Alors si je drop un des trois, ça sera très bien. Ça sera très très bien. Je savais que c'était impossible. On peut toujours espérer. Oh, c'est une nuit précise. Et si... Choisis la botte, mais stylé. Rien à dire. Bon, donjon rapide. Pas trop de difficultés. Voyons voir qu'est-ce qu'on a droppé. Hmm.
Alors. Boule rouge, ok. Donc ça doit être pareil que l'event d'Halloween, sûrement. Fusion, et c'est la fête, j'adore les fusions. Mais je pense que je vais te garder. Et donc, oui, c'est bien être que j'ai trompé. Donc. Dryade. Dryade. Ouais, que les dryades. Et un dieu. Mais Dryad c'est bien. Ça fait une autre perso terre que je pourrais mettre. Vendre. On va tout de suite voir quelque chose. Déjà c'est une 3 étoiles. Défense rec améliorée. Et elle coûte combien? Combien de points de mérite? Voyons voir. Conversion. Faudrait que je prenne des défis aussi. Ça a complètement zappé. Et le jeu? Non. Ne me dis pas que tu vas crash. Ah. N'importe quoi. Oh putain. Oh bah voilà. Ok. Bon. 500 points de mérite. Je vous conseille de le faire si vous voulez des points de mérite, bien sûr. Ah la vache. C'est reparti. Avant c'était les vampires, maintenant c'est les triades. Ils en donnent trop. Ce qui est très bien, mais... Putain. 500. J'en ai droppé 3 en 11 d'énergie. Si on prend rien que ça. Donc j'en ai 110, je peux en faire 10. Ça fait 30. Qu'on multiplie par 5. Donc ça fait 15 000 points de mérite. C'est énorme. Bon, par contre... ok. Ok, d'accord. Bon, bah. De retour. Et salut tout le monde. Pourquoi ça a eu? Oh purée. Et de retour donc pour la suite. Oh, qu'est-ce qu'il y a? J'en ai marre. Voilà, comme ça, ça va pas me faire chier. Wouah! Bon, celui qui prend une gemme, il se fait connouillonner, mais à partir de 24 gemmes. Bon, après, faut payer. Pas envie. Mais je le ferai pas. On a gagné des nouveaux objets, non? 29, j'en avais autant. Ah, 3 gemmes! Qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Invocation juste pour. Oh, il est joli le papy! C'est Merlin! Il est joli Merlin! Bon. Continue Vortex. On était sur le pourpre, c'est ça? Ouais. Go sur le pourpre. Pourpre. Purée. Alors go. Sephiroth. Je te prends. Alors, voyons voir. Lancer. 20 d'énergie déjà. C'est un peu plus cher. Un peu plus. Mais bon. Voyons voir qu'est-ce qu'il nous réserve. Ça serait trop bien de dropper Tyrann. En vrai. Ça serait le top. Non, non, c'est pas Tiara, c'est l'autre. Obligé. Les Ménards.
Mais faudrait voir en... Qu'est-ce qu'elle en peut. Mitchell. Qui est mort en 2-2, mais bon. Mitchell Douglas. Dilma. Dilma quoi déjà? Dilma pointe de l'hiver. Et là c'est donc Mitchell H de Noël. Oh. Pas mal, pas mal. Je me demande si on peut dropper un tout. Il y en a 4 ou 5, non? Tiara, Dilma, Mitchell. Il y a Douglas, si on a vu. Il n'y a pas les autres, je sais plus. Non, mais c'est abusé à 20 d'énergie. On en drop. Ah, on en drop 1 à chaque fois. Ah, méga rare. Ça, c'est très bien. Faudra que je up. Un perso. Non, le. Oh, j'ai rien drop. Le fantôme de Noël et le roi de Noël, je vais en garder un. Juste pour qu'il soit seul. Non, j'en ai drop qu'un seul. J'ai cru qu'on drop deux. Non, c'est pas possible. Je crois. On verra bien. C'est le 8ème ou même. Ouais, non. Voilà. Donc c'est Douglas le blanc. Ok, le blanc. Oui. Ouais. J'aurais peut-être dû attaquer un peu plus. Bon, ça va. Ah, il fait pas beaucoup de dégâts. Hein. J'avoue. C'est quoi ces dégâts? Je m'attendais à plus. Attends, on va voir si elle fait les dégâts. Ouais, elle prend beaucoup de dégâts. Non plus. Bon. Bon, après j'ai une équipe de 6 étoiles, mais... Non, pas de dégâts, quoi. Tintin. 40... Allez, 50 000 d'argent, 50 000 de karma. En même temps, vous pouvez faire des points de mérite. Ça me rappelle l'événement de d'Halloween, tout ça. 6 000 d'XP, 42 boules rouges. Par contre, 42, marre. Il en faudra combien? Bonus, une chaîne. Ok, d'accord. Bon, pour c'est fini ou il y en a encore? Ok, donc il y a que deux niveaux. Emerald, voyons voir, qui sait, peut-être qu'ils ont changé quelques trucs. Allez, Jazzy. Non, c'est... Alors... Voyons voir qu'est-ce qu'ils vont nous réserver. Je pense que c'est la même chose, sauf qu'on gagne des boules vertes. Ce qui serait logique. Ouais. Ah non. Le paysage. On a un cadeau vert. Après c'est toujours pareil. Vive le point de mérite quoi. Si vous voulez des points de mérite, hein, vous avez qu'à faire armer les deux donjons. En plus, ils gagnent quand même pas mal d'énergie. Enfin, d'XP plutôt. Pour 20 d'énergie, vous gagnez 6000 d'XP. Non, 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 non. C'est à faire. En plus, avec les points de mérite, vous pouvez avoir donc tout ce qui est cristaux. Oh. C'était un roi ou c'était un fantôme? On verra bien. Ouais, avec les points de mérite, vous pouvez... tout acheté, donc y a pas de problème. Par contre, par rapport à la dernière fois, enfin à l'année dernière, on pouvait dropper. Alors est-ce que là on va le dropper obligé ou non?
ou ils vont nous le donner à la fin de l'événement. Ouais, donc faut le faire. Très bon à savoir. Et est-ce que le boss on peut le dropper? Ah, très bonne question. Ah, explonouille. On le drop. Enfin, je sais même pas si je le drop ou pas. Quoi. Bon, après, ouais, le donjon c'est pareil. C'est la même chose. Ah, ça doit être pour l'événement. Facile à faire. Super rare. Ok. Cette nuit précise. Est-ce qu'on peut la dropper? C'est ça la question. Parce que si on peut la dropper, je dis oui. Ouais, sinon c'est vraiment la même chose. Rien de compliqué, change rien. Bah rien pour les 11. Pour 22 000... Ah, je crois que le 11... Ouais. 11 000... Le 11 d'énergie, vous gagnez plus. Oh yes. C'est ça que j'ai eu en super rare, non? Ouais, j'ai eu des rois. Ok. Bonus exclusif, dieu bijoux, ok, donc c'est exactement la même chose. Peut-être... Non, mais parce que là, 11 d'énergie, je trouve que c'est beaucoup plus rentable que le 20. Pour 11 d'énergie, vous avez les mêmes compas pour le 20 d'énergie, et vous trouvez à peu près pareil. À moins que qu'il y ait des choses sur le 20 d'énergie. Bah, de toute manière, si c'est 20 d'énergie, ça veut dire que vous le coupez plus facilement. Ah. Ah, là, ils ont fait mal. Ils ont fait mal. Oui. C'est bien de faire mal, mais non. Pas trop, s'il vous plaît. J'ai pas envie de perdre quelqu'un. Ouais, là, vu que j'ai les Brave Burst, ça devrait aller. Faudrait que je me renseigne sur ça. L'événement de Noël. Mais en tout cas, c'est bien. Bon. Drop. Aura. 500 points de mérite pour une Lemena. Ouais. Une druide. Une triade. Ouais, c'est ça, druide. C'est celle d'avant, mais... je trouve que c'est énorme. 500. Voilà, encore une. J'ai déjà 1000 points de mérite. En deux combats, je sais que j'ai déjà 1000 points de mérite. Hein, moi qui disais que j'avais plus de points de mérite. Bon. Par contre, la musique. Ils auraient pu faire un effort. Hein. C'est la même que qu'à l'accueil. J'aurais pas pu faire une petite musique festive, non? Enfin bref. Les marins, encore. Encore et toujours. On va faire ça.
ça doit être bon. Est-ce que Douglas... Non, il fait pas de dégâts. Hein. Il fait du 1 alors que y a rien qui booste la défense. Alors c'est vraiment pour tout le monde. Hein. Je crois qu'ils ont fait ça pour tout le monde. Bon, le 20 d'énergie est un peu plus difficile. Mais sinon, après... Quoique si vous prenez une team feu, il y a que Tiara qui peut faire un... qui peut être énervante, mais c'est tout. Après ça passe très bien. Je peux être tout. Sainte nuit Priscilla. La mère Noël, quoi. Connexion. Oh. J'aime pas les temps de chargement. 59. 6000. Voilà, 2000 points de mérite. Que dire. Alors, est-ce que j'en ai droppé une en anima? Théoriquement, oui. Oui. Eh ben voilà. Dryad. Non. Voir les unités. Alors. J'allais dire que c'est Dryad, mais non, pas du tout. Et bon. Voilà. Ajouter aux favoris. Donc sans compter celle en anima. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. 5000 points de mérite en faisant. En utilisant que... Allez, 60. 60 d'énergie. Non. Ouais. C'est très bien, c'est... C'est n'importe quoi. Ouh, Altro. Je crois qu'on va se laisser sur ça. Une petite évolution d'Altro. Bah, pourquoi je fais évoluer? Déjà fusionné. Atro. Pourquoi je dis Altro, c'est Atro? C'est ça, hein? Atro. Je confonds toujours Altro. Altro. Atro et Alma. Alors. Je l'ai mis. Filtré. Obtenu. Ok. Alors, 2, 3, je vais te garder, et j'en ai un aussi. Oh, 1, 2, ah d'accord, 3, 4, je crois que c'est plus que suffisant, mais bon, enfin quoi que c'est sur 100, donc peut-être pas. Voyons voir ça. Success. 98. J'ai été presque. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, j'en ai deux. Bon, là, je vais en donner un peu plus, mais bon. Il fallait combien? 27 000. J'avais complètement zappé que ça prenait autant de temps. Ok. Voilà. À peu près 27 minutes. Bon, c'est bon. Ok, Altro, oui, je ne peux pas. C'est vrai. Alors, déjà, merci au cadeau. Comme ça, j'ai pas besoin de le faire. Il est où? Il est où? Dieu de méca de lumière. Déjà, c'est fait. Il faut un totem miracle ou pas? Je crois que non. J'ai tout. Il faut idole, c'est tout. Ouais, un idole qu'on va acheter. Bon, hall des échanges, s'il veut bien se mettre. On va prier. Donc ça va. Il est allé assez vite. Ou pas?
d'été. Ah, j'espère que ça va pas me dire la connexion. Allez, dis-moi que tu fonctionnes. Bon, en attendant, je vais regarder. Tac, tac, tac. Pour Emerald, capturez-le ainsi que Père Noël. Nanana. Oh, il est joli le Père Noël au vert. Ok, donc. Le pourpre, c'est pour avoir un Père Noël qui... Ouais, c'est un zélnite, quoi. Qui augmente le taux d'apparition d'objets, de cristaux et de cristaux de vie. Ah, et c'est pas mal. Dans 2 jours, c'est réinitialisé, faut... Par contre, Little Mirror qui coûte 10 000. Ça, je comprends pas. Faudra me le dire. Enfin, bref. On est venu chercher le totem. Enfin, Lidl. Voilà. Donc, en gros, vous avez le choix. Donc, soit le pourpre, soit le Emerald. Le pourpre, c'est pour avoir le Père Noël, donc en rouge. Avec taux d'apparition des objets augmenté de 20%. Apparition de cristaux de vie de combat augmenté aussi. Donc, un zélnite, quoi. Pour son Super Wave Burst, parce que c'est une 6 étoiles, bien sûr. Père Noël généreux ou Père Noël protecteur. Et en fait, le deuxième, le l'émeraude, c'est ça? Ouais, je dis pas de conneries. Bon, allez, vas-y, tu vas prendre Little Emerald. Merci. L'émeraude, c'est un protecteur. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est un mitigeur. Wave Burst réduit les dégâts subis de 1. Ah d'accord, donc soit c'est un pour le Braper, soit un pour les Mitigeurs. Mais bon, avoir un Père Noël vert, c'est bien. Rouge ou vert? De toute manière, c'est par rapport à la communauté. Ok, toujours pareil, si on a beaucoup d'ornements, on gagne les masses trucs. Ah, pour avoir un Père Noël, donc il faut 2500 ornements. Ok. À farmer sans modération. Père Noël 5 qui va bientôt évoluer en 6 étoiles. Ben, ou on le drop. Et Priscilla. Priscilla, on peut la dropper. Oh. Bon, ça va, ça. Je crois que je vais farmer. Alors, j'allais vendre, non, évoluer, altro, évolution, attention, 3, 2, bon, faut que j'arrête avec le compteur, let's go. Méga rare. Elle a quand même la... Elle ou il? Ah trop. Il hein? Si c'est pour l'avenir des enfants, je n'ai pas besoin de... Besoin pour cette vie. Je sais pas si ce serait même les dieux. Attends. Pour l'avenir des enfants, je n'ai pas de besoin pour cette vie. Ah, ok, d'accord. T'es stylé. Par contre, j'aime pas la couette. Alors, si c'est un garçon... j'aime pas... Après, si c'est une meuf, ouais, style. On me rappelle plus si c'est un gars ou une fille. Et en plus, ils le disent pas, non? Féminin, excusez-moi. Ah, trop légendaire. Non, non, après, y a rien à dire. Il est stylé. Alors, on va terminer. Pas terminer. On va ajouter au favori avant que je les gère. Et le roi. Ajouter au favori. Ok. Ah, j'ai pas mal de conneries quand même. Et ça fait une autre évolution. Donc il manque 2 personnes à évoluer. Cette étoile, non? Très bonne question.
J'ai voulu qui? Donc Vargas, Selena, Lancelot. Ah non, il manque que Ez. Le petit Ez qui est niveau 2. Et qui sera mon briseur, donc. Bon bah voilà, ça sera tout pour cet épisode. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et donc je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao ciao!